Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage encore. Aujourd'hui, nous sommes à Amesbury, dans le Massachusetts, en voiture, on va dire 5h30, 6h de temps de Montréal. Ça se fait bien en voiture, jusqu'on a eu de la pluie sur le chemin, mais nous sommes là. On a choisi l'hôtel Fairfield Inn Bar Marriott. Je mettrai le nom dans la description. Malheureusement, je me suis pris un peu, on va dire peut-être dernière minute, à quelques semaines du voyage pour faire la réservation. Donc, malheureusement, je dirais que ça m'a coûté quand même assez cher. Mais je voulais venir pouvoir me faire des vacances avec Sabine avant de pouvoir reprendre l'école. Donc, côté prix, nous sommes là pour 3 nuits. Côté prix, on va dire, ça m'a coûté 920 $ quand même pour 3 nuits. Mais il faut dire quand même, dans tous les cas, c'est un coin qui coûte quand même assez cher. Et nous sommes en plein mois d'août, hein? Donc, le déjeuner est inclus. Il y a quoi d'autre? Il y a une piscine, un gym, stationnement gratuit. Donc, c'est quand même un coin. On l'a choisi parce qu'on est quand même assez bien situé pour tout ce qu'on veut faire, aller à la plage. Et d'ailleurs, on est à environ 1 heure de Boston. Ce qu'on pourra faire, aller faire un tour, visiter Boston. Au départ, on voulait aller plutôt à Boston, mais les prix étaient encore beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, cette option-là est quand même pas mal. On est à une bonne distance, par exemple, de Portland dans le Maine. On est environ à 1 heure de là. Donc, on est quand même bien situé, on va dire. Bien vrai que c'est un coin, bon, qui n'est pas, c'est pas un coin pour faire la fête, on va dire, où on va trouver trop de choses à faire. Mais pour ce qu'on veut faire, on est quand même bien situé. Donc, pour le moment, la chambre semble bien. On va voir si la nuit, il n'y aura pas beaucoup de bruit. Mais la chambre semble propre. Le ménage, c'est un jour sur deux. Donc, à moins si on a besoin de plus de serviettes ou de quoi que ce soit. J'espère qu'on va passer un autre super moment ensemble. Je vais vous amener avec nous, hein, où on va aller manger, les endroits qu'on va visiter. Donc, reste là. N'oublie pas de cliquer, hein, sur t'abonner, cliquer sur la cloche de notification à chaque fois qu'une vidéo est postée, et n'oublie pas de liker, hein? Si tu aimes ça, tu likes. Donc, on est ensemble pour 3 beaux jours. Bon matin, c'est un nouveau jour.
Là, on a super bien dormi la nuit dernière. Les lits sont confortables et il n'y avait aucun bruit. Et c'était bien obscur dans la chambre comme j'aime. Donc là, on a déjeuné. Déjeuner quand même complet, hein. Il y a de tout, des pancakes, des œufs, des machins, tout ce qu'il faut pour bien commencer la journée. Donc là, on s'en va à Boston. Il fait pas super beau. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut, profiter de la journée. Donc là, on va à Boston, c'est environ 1h18 de l'hôtel. On va commencer par le outlet et ensuite on va se diriger vers le centre-ville de Boston. Le outlet, c'est le Ren. Oh, je vous mettrai le nom dans les commentaires. Rentham Village Outlet, quelque chose comme ça. Donc, je peux pas venir dans une ville sans chercher où il y a un outlet. Donc, on va aller voir si on peut trouver des petits trucs comme c'est la rentrée bientôt. Donc, on commence par ça et après on va visiter la ville de Boston. Bon, on est ensemble encore aujourd'hui. Arrivé au centre-ville de Boston, hein Sabine? Donc ça a été du outlet, c'est environ 1 heure de route quand même, hein, du centre-ville de Boston au centre-ville. C'est pas évident de trouver du stationnement. Le stationnement, il faut downloader l'application Boston Park, quelque chose comme ça, et payer sur l'application. Mais le centre-ville est vraiment animé. Donc là, nous sommes au magasin Primark, un de mes magasins préférés. Après ça, j'ai vu Macy's. Il y a tellement de choses à faire. Donc on va se promener pour faire un peu de shopping. Et après ça, je pense qu'on va aller au marché. Je pense que ça se prononce fenouil. Je mettrai toutes ces bonnes choses dans les commentaires. Parce qu'on a envie de manger quelque chose, des fruits de mer. Donc, dans le marché là, il y a plein de stands de nourriture. Mais aussi, je mettrai aussi dans tous les commentaires, parce qu'on n'aura vraiment pas le temps de faire toutes les activités qu'il y aura à faire à Boston. Je mettrai toutes les idées dans les commentaires, les endroits à visiter qu'on n'a pas pu faire. Donc, on va pouvoir voir ce qu'on peut voir ensemble et on va pouvoir continuer de passer la journée ensemble. Il doit être vraiment bientôt 17h. Donc, on trouve de très très bons soldes à Primark, comme ce haut de maillot de bain, 2 dollars. 2 dollars américains. Ça va être la fête. Hein, Sabine? Ready? À Faneuil Hall Marketplace, c'est où se trouve justement le Quincy Market, où il y a vraiment plein de petits de restos, manger,
faire des petits achats et tout. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super beau. Et vous avez pu voir sur les lignes rouges, quand je marchais, on appelle ça le Freedom Trail. En fait, en suivant cette ligne-là, on arrive à différents spots historiques ici et à Boston. À l'intérieur, on se trouve dans le Funnel Hall. J'arrive jamais à le prononcer. On a vraiment ici différents bouts de l'histoire de Boston par rapport au Freedom Trail, l'esclavage et tout ça. Tellement de noms importants. Donc, juste passer faire un tour, s'instruire un petit peu. Et il y a des petits magasins aussi là. Petit récap avant d'aller se coucher. On s'est quitté tout à l'heure. On était au Funnel Hall Marketplace où se trouve le Quincy Market. C'est une très 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 jolie place. Mais pour manger là, les prix sont exorbitants. On voulait manger du homard. Genre leur spécialité c'est les Giddy, genre Lobster Roll, mais c'est un truc de malade. C'est sûr que c'est une place touristique. Comme je dis toujours, évitez les places touristiques pour manger parce que les prix sont... Donc, on voulait prendre... on a vu une assiette avec justement une Giddy, une chaudrée au homard avec une boisson. Il nous sort $40 US. Attends, il ne faut pas abuser non plus là.
Donc, malheureusement, on a laissé faire. On s'est dit, bon, peut-être demain, on va se chercher quelque chose, un autre resto où manger du homard. Donc, on a opté pour un autre petit truc là, vite fait. Mais en gros, en fait, aussi pour le outlet, on n'a pas trouvé grand-chose parce que c'est sûr qu'il faut convertir le dollar américain. Le dollar canadien pour vraiment savoir si c'est vraiment une bonne affaire. C'est sûr que les prix en américain, c'est intéressant. Mais quand tu fais la conversion, malheureusement, notre dollar canadien, il n'est pas très, très, très fort. Donc, quand on convertit, on est comme, OK, on dépose. Mais j'ai pu trouver à Nike des souliers de éducation physique pour Sabine. Ça revenait à 25 $ US, une belle paire de baskets. Donc, disons, environ 30, 35, max 40 $, ce qui est très, très bon pour une belle paire de baskets. On allait à Primark, mon magasin préféré, un de mes magasins préférés. Mais une chose aussi à ne pas oublier à Boston, le stationnement, si il y a des endroits, c'est maximum 2 heures, maximum 1 heure. Et quand tu te gares à un endroit, comme j'avais dit tout à l'heure, télécharger l'application. Mais je pense aussi qu'il y a un genre de parcomètre là avec des pièces. Mais dès que tu as fini ton 2 heures, tu ne peux pas renouveler ton temps. Genre comme nous en Montréal, ton temps finit, tu remets du temps. Donc là, ton 2 heures ou ton 1 heure termine, tu es obligé de déplacer ton véhicule. Donc si tu es garé loin, non, je veux dire, si tu as garé et que tu es parti loin, pense à revenir avant que ton temps ne termine, parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, juste ne pas oublier ça. Donc, on n'a pas pu faire malheureusement toutes les bonnes choses là. Mais le centre-ville est très 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 joli aussi là. Il y a le front, le waterfront, le front d'eau aussi, qui est quelque chose d'intéressant à faire. Il y a de très beaux parcs. Hein. Il y a l'université de Harvard. Comme je disais, je vous mets tout. Toutes les bonnes choses à faire. Donc, demain, comme il fait beau, là, je pense que ça va être une petite journée plage. On est censé aller au Hampton Beach. Donc, Hampton qui se trouve dans le New Hampshire. Parce que là, nous sommes dans le Massachusetts. Donc, on va aller dans le New Hampshire Hampton Beach. C'est environ à une vingtaine de minutes de Amesbury. Il paraît que c'est une destination très prisée pour les Québécois. Donc, on va aller voir ça en espérant que l'eau va être bonne et que la plage sera propre. Donc, on se voit demain. Nous sommes arrivés à Hampton Beach. Il fait un peu frais aujourd'hui, mais on a du super beau soleil. Pour le stationnement, j'ai trouvé un stationnement quelque part. Si tu payes genre 10 $ la journée, il y en a, c'est 20 $. Et on va aller voir si la plage est payante. Dans, franchement, l'eau elle est pas mal froide, mais il y en a qui se baignent quand même. Comme je disais, c'est une destination très prisée pour les Québécois et on en entend parler partout, partout. La plage est super grande, il y a des vagues, c'est vraiment le fun juste pour se poser, profiter.
La plage s'est terminée. Donc, nous sommes là présentement à Kittery Premium Outlet, environ 40 minutes de Hampton Beach. Donc, on va faire encore un autre shopping outlet. Il a l'air quand même pas bien. Il a l'air quand même pas mal. Donc, les prix, peut-être plus intéressants que l'autre outlet. Bon matin. C'est déjà l'heure de rentrer à Montréal. Ce fut un court, mais quand même assez bien séjour. Hier, on s'est quitté. On était au Kittery Premium Outlet. C'est quand même bien. Je pense que c'est, on pourrait trouver plus de trucs intéressants là que le grand outlet vers Boston. En fait, c'est le outlet, il y a plusieurs, c'est séparé. Il faut juste lire les pancartes. Tu vas avoir un petit centre, quelques magasins, tu te déplaces un peu, il y en a d'autres. Sinon, en gros, c'était vraiment super bien. Et après ça, on est retourné au restaurant chinois parce que qualité-prix, super bon. Donc là, on est sur le départ. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé le peu qu'on a pu vous montrer. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se voit dans le prochain vlog.